Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous. Ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple ». Et cette parole de Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus fait route avec ses disciples et une grande foule qui le suit. Et puis il se trouve nez à nez avec notre cortège. Ce tombeau, ce fils unique, cette femme veuve, et une grande foule aussi. Et là, la vie rencontre la mort. Cortège de la vie, le cortège, un cortège, oui, funèbre. Nombreux d'ailleurs, comme aujourd'hui. Il y a toujours beaucoup de monde dans les églises pour les enterrements. C'est impressionnant. Le jour où il y a un mort, l'église est pleine. Par contre, en semaine, on est deux ou trois à chaque messe. Une amie à moi qui s'est convertie il y a quelques années me disait « Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce que quand on aime quelqu'un, on va lui donner un baiser, on va l'embrasser une fois par semaine le dimanche, par exemple. Et le reste de la semaine, pas un coup de fil, pas un bisou, rien du tout. C'est quand même scandaleux quand on s'imagine à quel point Dieu nous aime et comment on peut se moquer de son amour. C'est affreux, hein, c'est douloureux, hein, ça. » Eh bien oui, c'est ça, vous voyez, c'est ça. Et je, dans cette foule-là, qui, derrière cette femme veuve et ce mort, je crois que les pères, je ne sais pas sûr, mais j'aime bien voir l'Église. L'Église, parce que je pense à cette prophétie de Sainte Catherine de Sienne. Elle voulait faire ses brigatas qui seraient et qui auraient comme mission de ressusciter les enfants morts dans le sein de l'Église. Les enfants morts dans le sein de l'Église. Voyez, regardez l'Église. Quel chaos. Oui, les membres, comme la première lecture le dit, nous sommes tous membres du Christ, mais des membres disloqués, des membres déchirés. C'est rare qui est vraiment, regardez la communion dans l'Église, la perte de la foi. Je vous disais, le premier grand signe aujourd'hui, c'est l'apostasie et la perte de la foi. Soyons honnêtes. Et quand il y a des bonnes initiatives, hein, qui commence, des gens qui veulent faire quelque chose, il y a des pare-feux tout de suite, et généralement, bam, allez, on bloque tout. Hein, ça, c'est très souvent ça, hein, voilà, à tout, partout. Donc il y a quand même, ça aussi, c'est un signe. Vous voyez, c'est des signes de ce chaos, de cette Église qui agonise. Ouais, on peut le dire, hein, c'est dans le catéchisme, de toute manière. Hein. L'Église va suivre le chemin de son maître et va être persécutée comme lui pour vivre un vrai Vendredi Saint. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Oui. Et puis nous avons vécu notre génération, quand même, ce n'est pas banal. Le pape Benoît XVI a renoncé. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais il n'a pas renoncé un matin en se levant et dit « Oh, ben, tu vois, j'en ai marre d'être pape, je renonce. Hein, » il y a quand même des choses qui ont fait qu'un pape renonce. Le pauvre. On ne peut pas dire que c'est sa santé, il est toujours vivant. Et il va bien, enfin, va bien, comme à son âge, on peut aller, évidemment.
Ah, mon Dieu, Seigneur Jésus. Faire renaître ces enfants morts dans le sein de l'Église, cette prophétie. Et combien Saint Jean Chrysostome a voulu annoncer aussi hein, cette vérité, communiquer des vérités. Comment, combien il a prêché. Moi, je suis émerveillé, je pense à cette autre prophétie là, de Jésus à Louisa, quand il dit que la divine volonté va renouveler mon Église et le monde. Parce que, posons-nous la question, comment va revenir le renouveau de l'Église ? Voyez la situation aujourd'hui, hein, ce corps du Christ divisé, déchiré, le pape attaqué, impossible, pauvre François, hein, quel travail, des tensions partout, bon, j'en passe, hein, etc. Comment va se renouveler l'Église ? Dites-moi, vous avez une idée ? On a pensé que c'était un moment le renouveau, après on a pensé que c'était le renouveau liturgique, après on a pensé maintenant, on pense que c'est des mouvements plus traditionnalistes hein, qui vont donner... Attendez, tout ça c'est quand même très humain, non. Ça viendra d'ailleurs, ça viendra du ciel, ça viendra de Dieu, ça passera par avant une belle purification certainement, parce que je ne vois pas comment personnellement, je ne vois pas comment l'Église pourrait s'améliorer. Il faut que le Christ ressuscité vivant touche cette femme, notre mère, l'Église, et ressuscite en elle ses enfants morts, c'est-à-dire des jeunes, des moins jeunes, de toutes les générations qui vont commencer à annoncer une nouvelle évangélisation, comme Saint Jean Chrysostome. Des nouveaux petits Chrysostomes, des nouveaux et des nouvelles Catherine de Sienne, vous voyez ? Je crois ça. Et là, ça peut venir que d'une puissante action du Saint-Esprit dans les temps que nous vivons, dans ces derniers temps, une puissante activité du Saint-Esprit. Souvent, je suis émerveillé en entendant des jeunes qui ont découvert la divine volonté parler de Dieu. Mais c'est incroyable. Des jeunes et des moins jeunes, quand je vais dans les missions. Alors, il vous parle de la création, il vous parle d'Adam, il vous parle du péché, il vous parle de l'Eucharistie, il vous parle de la prière, il vous parle des rondes, il vous parle des souffrances de Jésus. Attendez, là, je suis là et je suis émerveillé, j'en apprends. Je me trouve devant une source qui jaillit, un Chrysostome et des bouches d'or. Et maintenant, tous deviennent ces nouveaux théologiens. Pourquoi ? Parce qu'il y a une expérience immédiate avec la vie, avec le ressuscité. N'oublions pas, Jésus dit, et je termine avec ça, que la vraie résurrection, c'est ici, pas après. Nous, on regarde comme ça la résurrection, comme une belle paix. Oh, il est ressuscité. Alléluia. Et puis, on est là, évidemment. Et en fait, Jésus est ressuscité pour nous donner, pour nous ressusciter. Mais comment il nous ressuscite ? Comment il nous ressuscite hein? En nous donnant sa vie. Ah oui, sa vie. Bon, mais c'est bien. Alors là, la vie, quand on parle de la vie de Dieu, il nous donne sa vie, c'est une grande nébuleuse. On ne sait pas de quoi il s'agit. Heureusement que Jésus nous l'enseigne. La vie de Dieu, vous savez ce que c'est, la vie de Dieu? Vous savez ce que c'est quand il nous dit qu'il nous donne sa vie et sa vie en abondance? On a une idée de ce que c'est la vie de Dieu? Mais là, si vous réfléchissez, vous vous prosternez par terre. Là. La vie de Dieu, dit Jésus, c'est l'ensemble, tout l'ensemble des attributs divins. Tout ce qu'il est, toute sa puissance, toute sa beauté, toute sa grandeur, tout son amour, toute sa miséricorde, toute sa tendresse, toute son intelligence, tous les attributs divins. Donc, vous voyez, ils sont encore plus nombreux, si on peut dire, que la multitude des couleurs et des variétés de fleurs, de plantes et d'animaux qu'il y a sur la terre, qui ne sont qu'un reflet de tout ce qu'il y a en Dieu. Mais imaginez tout ça. C'est tous ces attributs, dans la mer de son amour, parce que Dieu est amour, que met en activité sa volonté. Parce que s'il n'y avait pas, Dieu n'avait pas une volonté, comme nous, on ne pourrait pas ni parler, ni marcher, ni penser. Dieu sans volonté, sans ce moteur qui est sa volonté, ne pourrait pas mettre en acte tous ses attributs, l'amour, le pardon, la miséricorde, la puissance, tout ça. Vous comprenez ? Donc, la vie de Dieu, c'est tout ça que met en acte, c'est tous ces attributs que font agir, que fait agir sa divine volonté, et ça, il te le donne à toi. Tu en deviens propriétaire. Eh bien, c'est là, mes amis, qu'est la résurrection. C'est quand on commence à faire agir Dieu. Vous êtes ressuscité.
Et le triomphe de Dieu, c'est justement ta petite volonté humaine qui agit et qui fait agir tout Dieu. Tout Dieu. C'est bien ce qu'avait dit Jésus. Vous ferez les œuvres que je fais, et même de plus grandes encore. Soyez bénis. Servons Dieu, mais sans aucun partage, car un cœur qui partage périt. Tout ou rien dit Dieu dans son langage, quelque peu, dit Satan, me suffit. À toi Dieu seul, je donne mon cœur, à toi Dieu seul, toi mon sauveur. À toi Dieu seul, je donne mon cœur, à toi Dieu seul, toi mon bonheur. Donnez tout, c'est Dieu qui le réclame. Je suis maître absolu de tout bien, tout le cœur, tout l'esprit, toute l'âme. Donnez tout ou ne donnez rien. À toi Dieu seul, je donne mon cœur. À toi Dieu seul, toi mon sauveur. À toi Dieu seul, je donne mon cœur. À toi Dieu seul, toi mon bonheur. Jusqu'au vif ce partage me touche, je ne puis souffrir un cœur perclus. Je vomis le tiède de ma bouche et jamais je ne le reprends plus. À toi Dieu seul, je donne mon cœur. À toi Dieu seul, toi mon sauveur. À toi Dieu seul, je donne mon cœur. À toi Dieu seul, toi mon bonheur. Dieu, par un amour immense, donne tout, promet tout ce qu'il est. Donnons tout, c'est la reconnaissance qu'il demande et pour notre intérêt. À toi Dieu seul, je donne mon cœur. À toi Dieu seul, toi mon sauveur. À toi Dieu seul, je donne mon cœur. À toi Dieu seul, toi mon bonheur. On ne peut, c'est un divin oracle, bien servir de maître à la fois, puisqu'ils font l'un à l'autre un obstacle, puisqu'ils ont de différentes lois. À toi Dieu seul, je donne mon cœur. À toi Dieu seul, toi mon sauveur. À toi Dieu seul, je donne mon cœur. À toi Dieu seul, toi mon bonheur. Je vous prends, ô fidèle Marie, après Dieu pour mon original, que j'imite en tout temps de ma vie, votre cœur fidèle et libéral. À toi Dieu seul, je donne mon cœur. À toi Dieu seul, toi mon sauveur. À toi Dieu seul, je donne mon cœur. À toi Dieu seul, toi mon bonheur.